même sur Parc-Billon. Parc-Billon de Bêta. Pardon, j'ai lu un message, je vais le lire après. Bêta de Parc-Billon. Qui va sortir cet été, je crois. Jox, qui a l'air plus au courant que moi. Et il me dit qu'il sera 49,99€ pour la version de base, 79,99€ pour une version intermédiaire, jusqu'à 129€ pour la version impossifiède. 16 juin, merci. Sortie du jeu 16 juin sur PC, Xbox, Series X et PS5. Voilà, vous avez toutes les infos. Merci, Jox. Merci beaucoup. En tout cas, là, c'est la bêta et nous sommes le 11 mai à 22h14 et le 12 mai à minuit. Il se passe un petit truc, mais ce sera, du coup, voilà, plus tard. Un petit truc. Bref. Là, on teste Parc-Billon et nous allons commencer simplement la campagne. Ça va pas faire le mode bac à sable. On est de travers, non? Non, tu sais, après tout. Je pense qu'on a une vision de du chat un peu trop limitée maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Et je me dis, il faut pas se bloquer. Attention, ah mince, ah oui merde, je peux pas enlever ma cam facilement. Attends, elle est où ma cam? Si, voilà. Ah la musique est banger. Amie, je sais pas si on sera le 12. Tout à fait, on sera le 12. Du coup, on est droit. Ah oui, voilà, si tu mets l'oiseau penché, ça va. Bon, voilà, un petit florilège des attractions qu'on pourra tenter de réaliser sur ce jeu. Ma foi, des plus intéressants sur le principe. Parce que moi, joueuse de... Planet Coaster, Planet Zoo, forcément, ça m'intéresse. Oh putain, pas le réveil! Oh, il y a un petit coaster dans la chambre. 10h32. Ah, on n'a pas de main. Ouais, de toute façon, plus petit utilise un réveil maintenant comme ça. Là. Ok, on est sur quelqu'un qui détruit sa chambre à chaque réveil. Développé par Limbic Entertainment Tropico 6 et distribué par Bandai Namco, d'où le DLC Batman, tout à fait, tout à fait. Mais je connaissais pas le studio à l'origine par contre. Bah ça vaut le coup de niquer le croquis. Mais là, on est sur une personne destructrice. C'est ainsi que naissent les attractions. Une idée. Un accident. Et ça fait des chocs à pic. On est sur une intro. Je sais pas si c'est nécessaire les intros dans les jeux de gestion simulation comme ça. En vrai, hein. C'est mignon, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. J'ai tendance à dire que pas forcément, quoi. Ok. Your current goal or displayed in the bottom right corner. Là! Icône orange sur le bâtiment à gauche, construisez une montagne russe jusqu'à l'avion en papier. Ah, faut que je construise une montagne russe depuis l'appartement. Ok. Voilà. Bon, ça m'apprend les mécaniques, on est sur un tuto. Est-ce que je fous ma cam ailleurs? Même si je me fous là. Oh bah si, il y a le chat, c'est nickel. C'est parfait. C'est un stream de... Professionnel. Putain, le chat il est par-dessus professionnel, merde. Construire une montagne russe. Une montagne russe, c'est simple. Déplacez votre circuit dans la direction voulue. Avec clic gauche. Pour quitter temporairement le placement du circuit avec clic droit, si vous souhaitez ajuster ou supprimer certains tronçons de votre montagne russe.
Is OK. Appuyer sur quoi donc c'est... En fait, ce qui est en blanc, c'est ça qui est indiqué ou ce qui est... Non, ce qui est en blanc. Clique gauche sur l'icône orange. OK. En cas d'erreur, pas d'inquiétude, vous pouvez sélectionner le tronçon et le supprimer sur... en faisant delete, donc j'imagine la touche. Ou alors, on revient en arrière. Parce qu'on aura forcément un truc pour revenir en arrière, n'est-ce pas? Ok. Mais je peux aller par là, en fait. Je suis pas obligée d'aller tout droit, moi. Je peux s'amuser un peu, là. Je peux, Ah ouais. Attends, je suis... Ah, la caméra, qu'est-ce que tu veux? Tu t'es coincé dans un bâtiment. Mais c'est pour ça qu'on construit pas beaucoup de parcs d'attractions en ville, c'est pour la cam. Je veux le monter. Roulis, lacet, hauteur. Left shift. Je peux pas? Nickel. On va continuer? Ok. On va passer quand même sur le terrain. Allez, je peux finir! Construisez le circuit. Qui suit l'avion en papier? Ah! Mais y'a plus d'avion. C'est un avion. Non, mais y'a pas d'avion. Qui suit l'avion en papier? Mais moi je fais ce que je veux, non? Mais merde, non, je suis pas en bac à sable. La traduction interbêta va être isoké 95% du temps. Ouais, ça va. Anis, le Micromania ouvre à minuit pour la sortie du jeu, je pense. Dans les autres villes aussi. Oh, c'est stylé. Ça doit être marrant de faire une sortie de jeu comme ça. Je sais pas, je crois que ça me plairait bien comme ambiance. J'ai pu redresser circuit... Avec F. Ah, c'est F le... Ok. Redresser. Voilà. Mais je suis obligée du coup de suivre un certain chemin. Non, c'est bon, hein, là, je suis bien là. Moi, je pense que je suis bien. Ah, attends. Elle m'oppresse. Bon travail, je vous félicite. Hein? J'imagine que je ferais bien de me présenter. Je m'appelle Blaze. Nelly Blaze. Ultra. Je sais, ça sonne bizarre. Ah, mais Ultra, c'est pas mon nom de naissance, hein, non, c'est... Mégatronic. Pourquoi y a des dialogues dans un jeu de... Hein? Je vois pas un instant que ton nom soit... Je peux m'aider, voilà. Carrément. Tout le monde peut avoir un rêve. Mais ce qui est spécial, c'est de le réaliser. Et j'ai un talent spécial pour concrétiser les choses. Ok, il s'agit généralement d'accidents, mais on peut presque... Tain, je connais la voix, mais j'arrive pas à la replacer. Comme quand on sort juste avant que le véhicule explose. Ou notre rencontre. Je fais plein de trucs extrêmes et tarés au quotidien, mais je dois bien avouer que j'ai jamais rien vu d'aussi radical que vos concepts de montagne russe. Et ça, ça me plaît. Vous savez, plus j'y pense, et plus je me dis que notre rencontre n'est pas être une simple coïncidence. Je veux dire, je sais bien que les coïncidences sont monnaie courante dans la vie, mais c'est quand même bien plus drôle d'essayer d'y voir un signe. Vous savez quoi? Vous venez de recevoir une promotion. Phil Bailey voulait que je teste ces modules de montagne russe que Cloudstormer développe. Mais il n'a pas précisé promotion. Comment je devais le faire. Vous avez entendu parler de Cloudstormer, pas vrai? Une super boîte, mais pas en super forme dernièrement. Ou cela dit, quelqu'un de visionnaire comme vous devrait avoir des idées géniales pour utiliser des inventions de Phil, non? Me regardez ouais, pas mais si moi je veux jouer. Vous savez que c'est votre destin. Voyons ce que vous allez réussir à produire avec un vrai kit de montagnes russes. Mais les montagnes russes que je viens de faire, j'ai pas pu les voir marcher. Et les montagnes russes que j'ai faites, j'ai pas pu. Ah, ça va.
Ok. Ah, il faut un ascenseur. Ok. Le circuit normal, là, ça suffit, non? Ah non, non, ça suffit pas, je pense. Le train de test doit prendre l'avion en papier. Ok. Vous pouvez contrôler la vitesse du train de test à l'aide de sa fenêtre à droite. Ok. Dernièrement, le ralentissement, vous pouvez réinitialiser le train de test en sélectionnant réinitialiser. Ok. Alors, il faut que je fasse un truc, genre... Non, pas normal. Ah, les bruitages! Ils sont trop forts, je vais les baisser, ça me saoule. Je vais tout baisser, en fait. Tap, tap! Voilà. Tangage. Ah, je peux faire tanguer. Voilà, là il prend la vue en papier, là, c'est bien. Non, non, pas ascenseur H, mince. C'est plus normal. C'est normal, là? Oui. Quoi? Oh là, je peux pas, c'est tout rouge. Bah, c'est bon. Non, je suis trop haute, c'est ça? Je peux pas faire plus bas là. Hein. Pourquoi c'est tout rouge? Ah, atteignez la voie en papier avec le train de test. Ouais, mais je crois que mes tests, bah du coup, j'ai pas... Ouais, j'ai pas... Je sais pas, gérer... Mais là, de la... Attends. Comment je le fais pour démarrer le test? Enfin, un. Je peux réinitialiser apparemment le test. Comment je fais? Appuyez sur le bouton réinitialiser. Ah. Quoi qui bloque, bro? Elle a pas beaucoup de vitesse! Ah, du coup, les câbles là net. Ça passe? Non, ça passe pas. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, compris. Ascenseur à Shine. Non, c'est pas ça, merde. Je peux pas faire de tangage, je m'en fous. Je peux faire ça. Quoi? Après, je vais relier à où? Ah oui, là-bas. C'est bas. Qui m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, Cookie Fresh Doug. Bienvenue, Cookie Fresh Doug. Merci beaucoup. Ok, là on dégage. Ça, on va laisser. Et du coup, on va continuer avec l'ascenseur à Shine. Je vais passer par où, je sais plus. Comme ça, hein, ça le fait comme ça au pire. Ah, oh, c'est pas mal là, c'est bien abrupt. Ah mais non, mais ça c'est con. C'est pas le bon truc, ascenseur à Shine. Oh, mais je peux remplacer, je suis stupide. La meuf est stupide. Putain, je pouvais remplacer, je savais pas. Ok. Go pour le test.
On fait en x2. Ça va plus vite en x2. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un peu plus le train a l'air d'aller à une vitesse normale, du coup. Ça va plus vite en x2, putain. Waouh, c'est bien l'axe. Ah non, là, ça doit pas être de l'ascenseur. Là, ça doit être du circuit normal, je vais réinitialiser. Enfin, en x1. Ouais, t'avais raison, il y avait une chaîne en trop, Duox. T'as fait raison, moi. On s'emmerde ici, mais j'étais obligé de passer par là. So fast, yeah. Too fast. Woo. Ah mais là j'étais obligé de passer par là aussi là. C'est bon du coup non? Qu'est-ce que... L'avion en papier. Ah mais il est là-bas l'avion en papier. Attendez, on va faire un truc plus stylé quand même. Là on est descendu mais on va remonter. En fait, là, on va remonter. Là, faut pas déconner, là, quand même. On s'est quand même pas mal emmerdé. Là, je vais mettre un petit normal, parce qu'il y aura un petit peu de vitesse. Vous voyez? Vous comprenez un peu le genre? Et là, je passe en comme ça. Voilà, ça fait un truc bien dégueu. Non, parce que là, c'était quand même un peu chiant, quoi. Et attention, là, on descend vers le fun, là. J'aime bien, c'est un peu tordu. Ah, je peux pas. Oh, pas drôle. Attends, je veux pas descendre autant. Voilà. Ah, attendez. Déjà, je peux pas. Lentement. Je voulais faire d'autres trucs. Ah oui, je voulais faire un peu courbé. Oh, c'est pas grave. Ça s'est courbé tout seul, je crois. Hein. Je crois que là, c'est un peu courbé, là. Ouais, ouais, ouais. Là, on est sur une bonne inclinaison. On est à peu près comme le chat. Vous avez vu? Vous avez le même angle. Voilà. Le chat, la barre jaune. Excellent. Ok, pardon. Après, faut que je fasse quoi? T'engages. Ouais, il est balèze, le t'engage. Attendez. Je veux détanguer, là. Ah, c'est bon. Ça revient à la normale. C'est bon, j'ai fait F. L'hôpital? Ok. Et ensuite, il faut que je descende là. Oh, mais on va passer par le lac quand même, non? Bon, oui, hein. Oh bah oui hein. Là faut que je mette ça. Voilà. Ici c'est bon. Oh je peux pas. Oh no, too bad. Oh no.
Mâche d'eau. Oh non, je peux pas passer par le lac. Hein, fantastique. Ah, je continue à jouer, je continue à jouer. Pas de soucis. Je suis à fond, là. Je peux pas passer sur le lac? On peut pas construire sur la flotte, je pense. Mais je veux voir la démo! J'ai des modules qui ressemblent à des prototypes abandonnés pour un spectacle de cascade. Enfin, c'est juste un canon de cirque et une rampe de moto. Ah oui, je comprends bien. À quoi ça pourrait servir? Ajoutons ça à une montagne russe. Tout le monde adore se faire projeter par un canon, pas vrai? Enfin, il n'y a jamais assez de poudre explosive à mon goût. Moi, ce que je veux, c'est sentir mes cheveux grossir! C'est marrant parce que le côté canon... en vrai, hein, le gag du clown, par exemple, qui est dans un canon, des trucs comme ça... C'est un peu vieilli, non, comme truc. Genre maintenant, les canons, à part dessinés en dessin animé... et ceux des musées, n'a pas trop de rêve, quoi. Alors, propulsez votre train par-dessus le vide. Ah ouais, c'est ça, trop bien. Module. Ok, nice. Ah, ça va être rigolo. Ça va être rigolo, ça. Ah, je suis là. Mais ma montagne russe, ça va faire 5 km. Cela dit, c'est... Ah bah, pas loin. 18, hein. Non, c'est kilomètre heure. C'est quoi, le pic de vitesse? C'est pas fou, hein. C'est où le truc à canon? Ah bah c'est ici. Module. Canon. Ah. Je vais mettre sur la piste. TD. Canon. Voilà, genre comme ça. Ouais, bah là on est bien, hein. Ah, on va... Ok. Et là, faut que je fasse le test. Ça a marché? J'imagine que oui, je peux le temps de voir. Refais le test. Et de là-bas. Ah non, c'est bon. Là, je veux voir en vitesse réelle ça. Oui, 80 km/h. Ça va, c'est correct. Et là, ça s'arrête net. Là, vraiment, ça freine d'un coup. J'aime bien ça. Je me plais bien ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fous? Construisez à travers de... Au travers de la cour et amusez-vous. Ouais, ouais, bah, j'ai bien compris là, j'ai bien compris la strat, là. Là, on fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Ah, je suis trop loin. Ah, je suis pas bien. Mais là c'est quasiment parfait là. Entre collision avec d'autres structures. Oh putain, ça va faire chier. Peut-être que j'essaye depuis genre ici. Attends, on va faire un circuit normal. Et on va monter. Voilà. Merde, mais où on monte? Ah. C'est chiant! Ascenseur à chaîne. Non! Circuit normal. Je vais essayer depuis travers comme ça. Ouais, ça peut être bien.
Ah, faudrait que je fasse par là sinon. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ça passe, mais bordel, ça passe trop, regardez! Merde, hein. Je vais y arriver, hein. Tu vas faire un angle? Tu vas changer l'angle? Oh, je peux pas! Je peux pas! Non mais ils te mettent un do not, tu peux pas. Non mais par là hein. Mais du coup faut que je fasse depuis ici. C'est chaud. C'est quoi cette blague pas drôle? On te met un énorme do not, on te dit tiens vas-y amuse-toi. Et en fait quand on fait un truc avec, tu dis non 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 non. Mais non ça marche pas comme ça en fait la vie meuf. Et ben ça me dégoûte. Attendez, attendez. Ah si j'avance un peu plus. Comme ça, c'est peut-être pas mal, là. Non, j'ai pas assez de distance. Ah, je peux faire un peu plus comme ça? Ouais, je peux peut-être choisir. Là, c'est bien, là, non? Ah, mais je peux peut-être faire... Ah, mais oui, attendez, je peux peut-être faire ça. Genre... Si ça passe comme ça, c'est ok. On dit c'est ok. C'est complètement bloqué. Je me suis complètement bloqué. Ou alors, ouais, comme ça, direct, hein. Un peu... Non, pas mal, mais... Pas mal dans l'idée, mais pas fou, mais pas mal. Là, par exemple... C'est pas mal, là, parce que je pourrais... Non, ça veut pas, hein. Mmh. Allô? Tu peux redescendre? Merci. Non. Oh, ça me saoule. Là, je suis déçue, là. Mais là c'est frustrant, il y a un donut, tu peux pas passer à travers. Pourquoi c'est tu deux là? Pourquoi c'est tu deux chiottes là? On nous met un magnifique donut et on peut pas passer. Là je peux passer à travers. Vas-y, là on dit je suis passé à travers, je m'en fous. Je m'en fous, là on dit je suis passé à travers. Les voisins doivent être un peu dégoûteux, mais les enfants sont contents. Ouais, ouais. Je pense que c'est un bon résumé. Après, bon, perso, je crois que je laisserai pas trop mes gosses sortir de peur qu'ils se prennent un wagon en pleine gueule à la sortie de l'école, quoi. Non. Allez, on fait un truc stylé. Non mais, j'aime bien ne pas faire des cercles en permanence. J'aime bien juste aller tout droit ici, là-dedans. Bon, j'ai réussi.
Je veux voir. Moi, j'aime bien voir des vrais gens et qui crient et tout. Ah, mais le parc est trop long. Je suis en x8, vous avez vu le temps que ça m'est venir? Il est toujours pas là? Elle est enfin là? On a rien vu. Atteignez le toit. Let's go, on atteint le toit. Allez, on atteint le toit, j'ai dit. Bon. Vous vous c'est sympa, mais j'aimerais bien jouer. C'est peut-être temps de voir si on peut propulser vos rêves plus loin que le ferait toute personne saine d'esprit. Oh. Waouh, un élément aquatique. Comme vous êtes en route pour devenir une véritable légende des parcs d'attractions. Ah ouais, l'élément aquatique, ça c'est unique, hein. Surmonter les obstacles qui vous attendent. Procédure à travers les obstacles. Diriger les wagons par-dessus n'importe. Nana. Toujours un moyen de contourner. Surfer sur les obstacles. Ouais, surfer sur les obstacles comme les vagues de l'océan. C'est plus une question rhétorique, même si j'ai jamais bien pigé l'intérêt. Je veux dire, quand on vous pose une question, c'est pour obtenir une réponse, non? Non? Mais ok. Voyons si on peut transformer votre vision en réalité. C'est parti. Moi, je réponds pas aux questions, moi. Je vais être en minorité dans un parc aquatique. Y'a trop... Attends, c'est quoi le son? Y'a beaucoup trop de minorités dans mon parc aquatique. C'est une référence à Cartman. Si vous l'avez pas, c'est un épisode... C'est trop long. Tu n'auras pas fini le tuto quand Zelda sera sorti. Ah, ça va être trop bien. Ok. Bientôt disponible, bah, c'est gentil. Can place as many tracks. Ok. Ok. Et bon, on va surfer. Reculer, je voulais pas du tout. Oh rail. Je peux aller sous l'eau? Je peux pas aller sous l'eau. Ah, y'a pas d'attraction ici, mais c'est faux. Y'a pas d'attraction, on a pas d'attraction. Welcome! Ah, mais je peux pas y aller! J'essaie d'y aller, je peux pas! Oh no, ça dit cute! Ça marche pas. Voilà. Faut que je fasse quoi en fait? Il est presque. Oh, c'est bon. De vous harnacher et de voir si ce truc décoiffe comme il faut. Oui. Incroyable. De la construction d'une simple issue de secours, vous voilà maintenant à transformer votre immeuble tout entier en attraction. Dans la ville. Faut que j'appelle Phil pour qu'il vienne voir ça. Pas besoin. Je peux sentir des montagnes russes à 20 km à la ronde. Bonjour Phil. J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'invite. Oh, nom d'une pipe.
Comment diable avez-vous obtenu un permis pour une chose pareille? Oh, tu l'as dit à tout le monde, ça. Fantastique. On n'en a pas. Il est bien plus simple d'implorer le pardon que de demander une autorisation. Allons-y. À demander une autorisation, c'est simple, hein. En général, juste on s'emmerde. C'est-à-dire que ça marche pas, quoi. Allez, allez, c'est parti! Attention, ça tourne! On est parti pour une attraction de 45 km. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Tu es le king de fil? Ouais, 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 mais les fils, ils sont chelous, je pense. Attention... C'est parti! Ça va pas si vite, en fait. Ça va pas si vite. Non, mais la fin, ça ira vite. La banana, la banana, dans les chips. Oh, je peux pivoter. Ça donne la gerbe. Ah, j'ai trop pivoté. Ça te texte sur les prénoms, mais je m'en fous, je connais personne qui s'appelle Phil. Ouh, ça doit faire mal, ça. Putain. Alors mettre des réacteurs. Oui, j'ai l'impression que je manque un peu de réacteurs, là. Je manque de propulsion, là. Ah, on va être canonisé. Comme un pape. Ok, le canonisage est plutôt rigolo. Alors, attendez, à travers mon donut, ça marche? Franchement, quasi. On va dire c'est ok. Ça passe. Ah, j'ai pas fait passer dans le tuyau, là. C'est pas grave, j'ai fait passer ici. La nuque... Ouais. Là, y a la nuque qui a pris cher, là. Oh, c'est joli quand on monte comme ça et qu'on voit tout au loin. Je trouve ça cool. Ouais, c'est ça, tu croques le donut en passant exactement, Grision. On passe sur l'eau, tranquillou. Ah, j'ai une énorme flèche au milieu. Ah, mais les flèches, elles étaient pas dans le tuto, elles étaient réelles sur la map. Ah, là, on passe dans le... Oh, c'est côté Lawn Moving Simulator, un peu. Et là, on a pour une montée un peu longue, là. Là, vous pouvez prendre un petit kawa, admirer la vue. La gestion des collisions est étrange. Ouais, c'est une bêta. Après, pour permettre... au joueur de s'éclater, elle va être un petit peu souple, la gestion des collisions, c'est sûr. Donc il y aura des trucs comme ça, même dans la version finale, je pense que c'est assez logique. Enfin, c'est assez logique, ça m'étonnerait pas. Tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple de permettre aux joueurs de faire des trucs très, très what the fuck et tout. First, let me take a selfie. Tout à fait. Vous allez pouvoir prendre le selfie bientôt, là. J'ai vu. Musique. Une musique. Attention! Oui! Oui! Oh mais... Oh la rainette! C'est le module de montagne russe que vous avez imaginé. Ah, je les balance après dans l'autre parc et je fais aller dégager. Oh, ça me donne une idée, vous savez. En fait, ça fait un moment que je pense à prendre quelqu'un sous mon aile. À l'origine, je voulais organiser une compétition, mais Izzy ne m'a pas laissé. Ouais, le quête. Seriez-vous intéressé à l'idée de tenter votre chance? Je ne peux pas vous promettre que ce sera bien payé. Chez Cloudstormer, on est un peu obligé de se serrer la ceinture en ce moment. Mais une chose est sûre, vous apprendrez beaucoup. Oh, peut-être même des choses utiles. Alors, qu'en dites-vous? Très bien. Bien le tuto dans la ville. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi. Je trouve ça cool. Oh, attendez-moi.
Je sais que vous m'avez juste prise pour la journée, mais je vais voir où ça mène. Note maximale atteinte. 3 étoiles et un tourbillon d'or. Une spirale bleue dans du l'or. C'est bien ça. Oh. Merci. Merci Grigion pour ton GG à Lox TV. Vous avez vu dans le chat? Oh, ça fait peur. C'est trop effrayant. Merci roi ours. Ah, nous y voilà. Bien, j'ai conscience que cette forêt peut paraître effrayante vue de loin, mais rassurez-vous, une fois à l'intérieur, tout ce que vous risquez, c'est tout au plus de vous écrouler de rire. Oui. Ce n'est pas le bonjour, meilleur ici. Placement que vous ayez pu trouver au cours de votre carrière pour un parc d'attractions familiales, avouons-le. Mais non, mais il y a des cerfs et des biches. Oh, bonjour. Vous êtes la nouvelle recrue. Je suis Isabelle Dillard, la PDG de Cloudstormer. Même si j'ai parfois l'impression d'être à la tête d'une garderie. Par toi, t'es coulé de rire. Ah ben là, je... toutes mes manières. J'ai mes abdos mais qui se préparent là, hein. Ce parc, ah, ça va être ambiance là, ça va être comme ça là. Vous verrez ça aussi en voulu. Enfin, si on met de côté les arbres sinistres, l'endroit est tout de même bien plus grand que la parcelle de test. Mais ça les arbres sont zéro sinistres et en plus il y a des oiseaux qui passent à travers. Les enjeux aussi sont plus grands. Toujours à s'inquiéter pour l'argent sacré ici. Pour ma part, j'ai hâte de voir ce que notre partenaire va pouvoir peindre. Salut Zizibel. Sur une toile de cette envergure. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous bonsoir. Jeter comme ça dans le grand bain sans flotteur au bras. Je serai à vos côtés. Trop bien tes vidéos, faudrait que je fasse pareil. Et je ne serai jamais bien loin. Regarde les vidéos du Seigneur Poel. Ça t'inspirera. Ça aussi lorsque nous avons et de botch. Que le ciel s'abatte. Ça t'inspirera si aussi. Vous avez l'audace de commander un dessert pour finir sur une note sucrée. Oui, eh bien, si notre camarade se rate avec ce parc, il ne sera plus question de savoir si l'on peut prendre un dessert ou non. Oh, parfait. Allez, partez, laissez-moi faire des trucs. Partez. Parc, ce parc a manifestement connu des jours meilleurs. Dans son état actuel, il y a beaucoup de choses à régler avant de penser à attirer les visiteurs. La plupart des anciens chemins ont été détruits, les visiteurs ne peuvent pas visiter. Oh, nos attractions et nos points de vente, ils doivent d'abord être accessibles depuis l'entrée du parc, mais oui, avec le chemin. Ok, là on connaît, là on va retrouver des bases qu'on connaît quoi. Ah, j'ai mal au crâne d'un coup. J'ai plein de dits, mais je sais pas comment on fait pour faire ça. Bon, celui-là c'est pas le meilleur découpage, mais bon, je fais ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Juste une, tu mets la vidéo en source dans ton. Sur ta scène et en fait tu mets un raccourci, moi j'utilise le Stream Deck pour lancer la source quand tu as envie de la lancer, voilà, par exemple, et après bah tu appuies sur ce raccourci, ça lance la vidéo. Avoir un millier de scènes, non ça c'est sur la même scène, ça c'est pas une scène, c'est une source. Une source vidéo. J'ai dit scène peut-être. Désolé. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Martien, Grision, Martien. Mais c'est un stream deck, bah c'est grandement facilité, on va dire. Salut, Infernalon, j'ai du sou. Une source par vidéo quand même. Bah, une vidéo est une source. Effectivement. Vous devez choisir un chemin dans le menu placement du chemin. Les chemins normaux relient toutes vos structures au fil d'attente. J'ai un petit stream deck normal. Ah, t'as le stream deck classique?
Bon, même le petit, ça fait... De toute façon, tu veux faire plusieurs pages. Bah, tu regardes le module... tu regardes le module, par exemple, OBS ou Streamlabs. Merci, Mike Iver, c'est très gentil. Bref, j'ai pas suivi. Oh, show. Voilà. C'est parce que vous êtes trop hot, là, dans le chat. Je suis dans le chat. Faut que j'arrête. Je suis enthousiaste. T'as tes deux biais ou c'est normal? C'est toi qui as la tête trop penchée. Mets-toi ta tête droite, comme ça. Ça va aller. Mais d'ailleurs, il y a des sources... C'est un truc qui s'appelle Trigger Fire. Trigger Fire. C'est quoi ça? Je vais regarder. Attendez, ça peut m'intéresser, puisque moi, je cherche aussi un truc, de... une manière de gérer. Un peu différemment. Trigger Fire Heavy Steel Double Gun. Alors, Trigger Fire, apparemment... c'est une agrafeuse industrielle. Enfin, c'est une agrafeuse balèze, quoi. Une agrafeuse pour... voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser Trigger Fire si vous avez besoin d'une agrafeuse. Ça a l'air bien. Elle est à combien? C'est donné... Ah, avec un Y. Je suis pas loin, je suis pas loin. Non mais super cette agrafeuse en tout cas. Ah, je suis déjà allée sur ce site apparemment. On verra. Je vais mettre de côté. Je... Ah bah je l'ai déjà mis en... je l'ai déjà mis en plus en raccourci. Bon, faudrait que j'y aille un jour alors. Faudrait que je... Je crois que... je l'avais déjà mis en favori, puis je suis jamais retournée. C'est donné contrairement à la fameuse machine à hot dog. Ah ouais, la machine qui fait des saucisses là, qui était à 1000. Non, je sais plus, elle était quoi. Non, elle était super chère. Coucou Axel. Alors tout d'abord, vous devez choisir un chemin. Ouais, ça je sais, ouais. Donc il y a le chemin normaux et les files d'attente. Voilà. Ensuite, on peut les faire incurver. Largeur de chemin, forage de tunnel, pilier de soutien, largeur de la grille, hauteur de la grille. Ok. Et là, on peut faire des trucs. Et où est le chemin? Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. D'accord. Non, on va faire comme ça. Alors, on va... Hop. Un autre chemin, et ben c'est pas grave, ça se colle à l'autre chemin, ils ok. Je vais pas revenir en arrière. Je fais ça tout le temps dans les jeux contre Z. Marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut plus jamais effacer, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ouvrir le parc. Ma démonstration permet de montrer l'apparence d'une attraction quand elle est active. Et elle reste fermée. Let's go. Ok, ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, super la démo. C'est bon, c'est parti. Chaque attraction doit posséder une entrée, une sortie. Tout à fait. Les montagnes doivent passer des tests avec succès. Tout à fait. Dans la fenêtre information d'attraction, vous pouvez voir en quel état, quelles étapes vous restent. Oui. Oui. On est en play là? Alors, c'est ça qui doit avoir mon approbation? Ah là, ça a des soucis. Oh, il y a un arbre sur la voie! Oh, dis donc! C'est pas comme ça qu'on met les arbres? Bon, non. Ah, je suis chelou! Je me sens bizarre. Alors. Ouah, tous ces manèges. Hmm,
tu vas accrocher l'ox sur ton écran pour ne pas... Ah oui. Trigger Fire, c'est vrai que je vais pouvoir accrocher des trucs sur mon écran, ouais. C'est pas con. C'est ça. Placer et ouvrir un nouveau manège. Ouh, oui, d'accord. C'est quoi ça? C'est des poulpes? On est sur de la piraterie. Je prends les poulpes. Je mets les poulpes, moi. Je voudrais le tourner. Pivoter. R. Oh non, je vais essayer de l'espace là-bas. Non, bah je vais mettre genre par là. Ok. Le pivotage est pas ouf. Très très sensible. Ok. Là, faut que je mette une... C'est quoi ça? Chemin de file d'attente. Oh, mais ils sont moches, disons. Mets ça. Largeur de la grille. Je peux pas faire moins large. Incurvé, c'est chiant. Oh oui, d'accord. C'est pareil. Voilà. Oh, la file d'attente. La file d'attente. C'est pas grave. Hop là. Attention. Démonstration. C'est nickel. Hop là. Nickel. Ok. Un nouveau point de vente. Ça, je sais ça. La bouffe juste après le vomito, post-attraction. Important. Ça va pas du tout avec le thème, hein. J'espère que je pourrais modifier. Attends, je peux finir, hein. Hop là. Je peux choisir un autre look pour ma boutique. L'amande grillée, c'est dégueulasse. Je vais mettre à 55. Ok. Tu as pivoté, bordel de merde, j'ai dit à ta place. Merci, c'est gentil. Faire quoi? Reprendre le jeu. C'est les premiers 40 visiteurs entrés. On va les chercher. Des employés ou des visiteurs, ça? Ça ressemble plus à des visiteurs au niveau du look. Les gens ont l'air un peu moins d'être collés les uns sur les autres, comme dans Planet Coaster et Planet Zoo, où vraiment les humains forment une sorte d'agglomérat qui s'entrechoque constamment. Et c'est un peu chelou. Moyen de changer de la musique ou pas? Non, elle est banger, mais y a moyen de changer ou pas? Oui.
Ah, elle est là, Aquabit. Dance and trance, transcendent. Rock énervé. Ah, pour le nom, ça s'appelle Rock énervé. La lumière, on va mettre rouge. Et l'autre lumière, on va mettre bleu. Bon, alors les gens, ils sont arrivés là. Oh là là, vous mettez du temps, hein. Musique de fil, ça. On va voir s'ils sont attirés. C'est quoi la musique là? Ah, s'ils y vont, c'est grave rentable. Le billet est à 45 euros. À demi-tour, merde. What? Ils font demi-tour à l'arrache? Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? C'est peut-être beaucoup 45. On va mettre 43. Bon. Allez. 41,50. On va voir le seuil de tolérance, hein. Je crois que c'est à cause du chemin. Ah, peut-être, hein. J'avoue que là-bas, il est pas... Bah, il est pas... Non, mais là-bas, il est pareil, le chemin. Je vais essayer de modifier ça, attendez. C'est immense. Je veux faire une super longue file d'attente parce que l'attraction elle va marcher de ouf. Je peux pas. Ah, peut-être c'est pas mal comme ça. Alors tente. C'est le prix, c'est le prix. Bon. Allez, je descends drastiquement à 30 euros. Putain, ils savent pas reconnaître... Merde. Quelle bande de prolos. On va mettre 9. 50. 9, 50 c'est donné. Non, ça marche pas. Allez, 7,50. Eh, 7,50 là, c'est giga donné.
Normalement, l'entrée de l'attraction est à 45 balles. Mais comme vous m'êtes sympathique, je l'ai fait à 50. Attention, hein, je vais peut-être pas manger ce soir à cause de ça. Hein. Attends, j'ai mis 7,50, là c'est 5. C'est bon quoi, mon attraction elle est mieux. Là c'est 3, vas-y, je vais mettre plus. Ils sont déjà à la file de toute façon. Bon, je vais mettre 5, faut pas déconner. Pas déconner, faut pas déconner. 3, 2, attends, 3. 3, c'est même pas ce que t'achètes au distributeur, 3. Pas déconner, pas déconner. Y'a personne qui est prêt à payer un peu, hein. Je mets à 2. Putain, bande de radins, je vous déteste. T'as 6 quand même. 6, ça va, 6. 6, c'est bien, 6. C'est ça qui se barre. Putain, putain, c'est possible, hein. Regardez, ils sont partis, là, eux. Regardez, ils partent, ils partent. Les bâtards. 4,99 en dessous de la barre psychologique des 5 euros. Mais le prêt à l'entrée est 400 balles pour commencer, même si faut pas l'attraction. 45 balles, tu récupères ta mise. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'augmente d'un coup quand ils sont dans la file. Allez, 3,90, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Eh, hey, regardez, ils y vont pas, hein. J'ai mis 6, hein. Ils vont pas, hein. Ah, si, ils y vont. Ils y vont à 6. C'est les yeufs qui y vont à 6. Ils ont les thunes. Les rats, mais crrrr. Et c'est un groupe d'adultes. Un groupe d'adultes. D'adultes, ça? Kraken fou. Ils sont très joyeux. Alors pourquoi c'est pas... Ok. J'ai une famille. Ok. Y a un abo, là. C'est une famille, ça. Ils sont très joyeux. J'ai rendu les gens très joyeux. Parc de luxe. Attends, ça... Quand même 6 dollars. Ça va. Vous avez vu le parc et sa forêt, plutôt particulière. Vous comprenez donc l'ampleur du défi qui vous attend. Je veux que raser vous la forêt. Exposiez un plan pour transformer cet investissement en profit. Izzy a raison, bien sûr. Mais je ne vous ai pas fait venir pour vous inquiéter à propos des chiffres. Merci, parce que j'ai pas envie. Hein. Moi, vous avez une vision. Votre rôle est de partager vos idées les plus folles et les plus merveilleuses. Des idées, oui, mais calmons-nous sur la folie. On n'attache pas des étalons sauvages à une diligence, vous le savez. Oh, mais imaginez un peu la cavalcade que ce serait. Bah, faut pouvoir choper des étalons sauvages, déjà. Mais comment oublier une telle expérience? Sans même parler des procès et des problèmes de sécurité à la chaîne, la situation financière de... Oh, il va en avoir un peu, ouais. ...dangereusement proche d'un gouffre apocalyptique. J'en ai des frissons. Mais je crois que ce qu'Izzy essaie de vous demander, c'est... Qui devrions-nous chercher à attirer dans les tourniquets de ce nouveau parc? Les riches. Le parc qui vise les ados. Je pense que ce serait les ados en vrai. Mais les adultes ont plus de thunes. Oui, ados. Les adolescents, très bon choix. Et rien que pour ça, je vous mets dans mon testament. Vous devriez prévoir... Merci, un peu John Amant. ...pour le parc. Ça peut être utile au cas où notre visionnaire déciderait de construire autre chose qu'un stand de limonade et des toilettes. L'équipe de conception sera bien sûr à même de fournir de nouvelles attractions. Oui, regarde les mouches. Absolument. Mais pas pour ce parc. Sophia est coincée sur l'un de nos sites de la côte Est. Oh, cela dit... Elle parviendra peut-être à nous envoyer un de ces fameux ornithoptères avec des marchandises. On appelle ça des drones de nos jours, Phil. Que proposez-vous? Des ornithoptères. Il y a... Attends, il n'y a aucun parc d'attraction externe dans le coin, ça me plaît bien. Hipster ironique de tous les âges. Cracrait pour un thème Friendsville. Oh mon dieu, quelle horreur. Science-fiction plaît des masses ces jours-ci. Oh, je préfère le côté western, hein. Non d'abord. Il aime bien les ados, tout à fait. Si on m'avait dit qu'un jour, les éperons et les chapeaux de cow-boy seraient de nouveau... C'est testament est fil, j'ai des idées. Non, rien de tel pour divertir les familles que de revenir à la bonne vieille époque du typhus. Ce plan d'attaque vous convient? Ou vous souhaitez renégocier les terres? Quand il y avait le typhus? Tu y fus? Ah, très bien.
Nous ferons ce qu'il faut pour lancer le processus. J'espère que vous mesurez le fait que le destin de l'entreprise repose sur le succès de ce projet. Alors, c'est pas grave, il y a l'autre qui dépense son compte. Une fusée et donnez-moi tout de suite une allumette. C'est si excitant. Votre tout premier véritable parc d'attractions. Oh, je me souviens encore de mon tout premier. Les fusées, ça démarre pas avec des allumettes. Ou alors, peut-être à Singapour. Ah non, Bangkok sais, après. C'était à Cleveland. C'était près de New York, Phil. Le cabinet de curiosité de votre père. En tout cas, le mec aime bien Bangkok. J'étais persuadé qu'il s'agissait du Frissonator. Mais peu importe. Je m'en souviens parfaitement, comme si c'était hier. Hier qui était... Lundi, Phil. La réunion est finie. Merci à tous. C'est marrant, j'ai passé, ça m'a saoulé. Ah mince, mauvaise caméra, pardon! Besoin de visiteurs? Tous les groupes de visiteurs ont des besoins auxquels vous devez répondre pour garantir leur... joie! L'accès à la nourriture et aux boissons est le besoin le plus important de vos visiteurs. Vous pouvez y répondre en construisant des points de vente correspondants. Il faut aussi des chiottes! Ah voilà! Les visiteurs auront aussi besoin de faire caca pour se soulager. Un moment ou un autre. Et j'avoue que les buissons pour ça, c'est chiant. Déambuler dans le parc est épuisant. Vous devrez construire des bancs pour permettre aux visiteurs de reprendre leurs forces. Non. Alors, bon. On va mettre des bancs. Oh, c'est trop rigolo, ça. Quoi ça? Un point de vente. Coucou. Coucou. Salut Cash. Les bancs, ils sont où les bancs? Les bancs. Entendu parler du nouveau parc d'attraction? Ouais, j'ai vraiment. Et franchement, je suis super. Je suis vachement au courant de ce qui peut plaire aux ados, moi. J'ai fait un parc western. Ouais, il y a eu Red Dead il y a 15 ans. C'est bon, ça va leur plaire là. Ah, ils sont là les bancs! On va mettre des bancs western. Je fasse quoi? Utiliser le filtre pour adolescents dans le... filtre pour adolescents, c'est pour TikTok, ça. Putain, ouah, je comprends rien. Régler les problèmes du vieux parc. Agrandir le parc pour les adolescents. Améliorer la propreté, augmenter le fun. Ok. Comment j'utilise le filtre? Je comprends pas. Dans le menu manège. Ah d'accord, pardon. Manège ado. Voilà. Bah ça j'ai mis déjà. Bon ça c'est bien. Ça c'est quoi? Mais ça c'est pas western ça. Ouais bah un parc western ça va être compliqué parce que putain les attractions elles font pas très western. Ouais, bien là. On va faire l'entrée ici et on va faire une file d'attente. Un objet gêne, mais c'est pas vrai. Un objet gêne. Mais non, mais arrête, tu m'agaces, toi. Bon, d'accord. Ici, alors.
Ouais, non, mais. Passion. Oui. Ah, des petits bugs. Bon, j'ai pas pu faire un truc plus long. Il est à combien là? Les ados, ils vont casquer. Hein. Allez, 4,90, ça va. Celui-là, il est à 6 après. Hein. Franchement, 4,90, ça va. Hein. Mais bon, elle vient d'ouvrir, j'augmenterai plus tard. Elles sont bien, mes files d'attente. Elles sont nickel. Ah, j'ai pas mis de barrière pour mes files d'attente. Files d'attente. Et le propriétaire, s'appelle Phil. Le mec, il attend. J'aimerais revoir ça. Je veux supprimer. Oh, les boutages. Largeur pilier de soutien, forage de tunnel incurvé. Ah bah non. Ah bah je peux pas mettre de barrière. Ah si. Let's go. Des barrières. Ah mais non. Barrière en bois. On va mettre des barrières en bois. On va mettre ça. Ah. Là ça fait un peu plus truc de parc d'attraction. C'est un peu pourri. Mais ça fait un peu plus. C'est des petites barrières en bois. C'est du bois ça. Zéro du bois, ça. J'ai sélectionné des petites barrières en bois, c'est du fer. Ah! On m'a menti. C'est quoi le jeu, c'est ça? Ah, c'est Park Beyond. Bêta d'un jeu de parc d'attraction. Privilégie le fun. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Passer et ouvrir un point de vente très apprécié ou adoré par les ados. Ok. Conférence visiteur. Adultes? Bah non. J'ai que adultes et famille, mais j'ai pas ados dans les préférences. Alors je fais comment? C'est comment? Ça aime bien les trucs sucrés, ça. J'ai un kebab western, ça s'appelait aux ados, c'est sûr, ça. Kebab western, c'est pour les ados, ça. On va mettre kebab et soda, là. Ça va dégager ça. Adulte, famille, ado. Ah, les ados, ils adorent ça. Ils adorent. Ah, les boissons énergisantes, évidemment. Évidemment. En plus, regardez, c'est tout foufou le truc. Ah ouais, regardez, c'est ah, ça fait bien western en plus. Il y a une cascade derrière. Qui tombe dans du rien. Nickel. Et du coup, un point de vente adoré. Aimer ou adorer. Point de vente de nourriture, pardon. Ado, ouais. Ah, ils sont fans de ça. Ok, on va leur foutre ça alors. J'en ai jamais un. Je vais en mettre un autre alors, je vais mettre ça. Hop là. Ça fait pas très western quand même. Hein. Mais dites-moi,
Vous êtes de plus en plus à l'aise. Bah, dites-moi, oui. Vous en êtes presque à mettre les pieds sur la table, hein? Faites juste. J'ai le genou sur ma table. À ne pas le faire sur l'une de vos montagnes russes, d'accord? Au calque de cartes. Attends, chaque. Grâce, pardon, au calque de cartes de densité. Grâce au calque de cartes, ça fait bizarre. Vous pouvez mettre en évidence les problèmes spécifiques lorsque vous examinez votre parc. Vous pouvez les appliquer aux visiteurs, au personnel et aux structures que vous avez placées. Les éléments que vous examinez sont colorés avec un spectre. Ah, mais oui, ouais, c'est des filtres, ouais, d'accord. C'est le... On a un petit radar comme ça dans Planet Zoo. C'est la bêta. Oui, je comprends bien qu'effectivement, pour le moment, on pourra pas trop s'amuser au niveau ambiance et tout. Mais bon, on peut déjà mettre les mains dessus. Alors c'est à voir, mais le côté fun pour le moment, on l'a ressenti dans le tuto avec 2-3 trucs, mais c'est vite fait quand même. J'espère qu'en dehors des montagnes russes, il y aura des attractions what the fuck basiques, sans spécialement avoir besoin de faire des montagnes russes. Ce serait sympa. Un possifié ? J'imagine, je sais pas hein, ce que c'est toujours un possifié. Allant du vert au rouge. Les examinés sont colorés en bleu. Les entités étant juste en rapport avec les problèmes que vous examinez sont en bleu. Ok. La joie. Oh, il y en a qui sont pas joyeux. Je n'ai rien à péter. Propreté. L'icône propreté. Ah, c'est pas trop propre. Mais j'ai besoin des toilettes. J'ai un peu besoin de toilettes, ouais. Mais propreté, j'ai pas. J'ai pas la propreté en... J'ai pas la propreté en... J'ai pas la propreté en... On voit l'icône propreté pour voir comment... Mais c'est où la propreté en... Oh, les musiques me gonflent. La propreté... C'est pas dans les filtres, j'imagine. On dirait les voisins qui font la fête et qui n'arrêtent pas de changer de volume. Pour moi, un possifié, ça devrait plus faire référence au fait de falsifier ses impôts. @loxtv, qu'en penses-tu? Un possifié. C'est comme chevaliérisation, c'est mieux que adoubement, on comprend tout de suite. Un crayon. Voilà, sur ma tête, pas de crayon, hein. En haut à gauche qui se remplit. Ok. C'était très intéressant. Eh bien, c'est un début modeste, mais au moins le nombre de visiteurs... Moi, je vois pas de truc en haut à gauche. Quoi qu'il pourrait difficilement en être autrement après réflexion. Alors, je sais pas où je dois aller, mais... Ah bah, y a pas encore. Voilà. Bon. À survoler l'icône de propreté, je ne l'ai pas. Ah, c'est ça! C'était ici, punaise, mais on la voit à peine, quoi. Ah ouais, c'est pas très propre, hein. On va mettre des trucs, des belles poux. Ça va, Soum Soum? Ça va, Cyril? Voilà, je remets sur le chemin.
Faut toucher son nez. Ah non, pas encore. Là. Impossible, c'est rendre impossible. Ah, peut-être aussi. Les impôts ou rendre impossible, ah, je sais pas. Hein. Merci Grésio en tout cas. Ah, faut que je fasse quoi ensuite? Cours de toilette. On va construire un chiotte. On va faire un western. Même si bon, western conceptuel quoi. Ça se tourne mal, ça me saoule. Comment j'achète un agent d'entretien? Moi j'ai mis plein de poubelles hein. Encore 6. Mais non, mais le problème c'est qu'il faut déjà nettoyer ce qui est par terre. Mettre d'autres poubelles maintenant. Non, je vais rester avec mes tonneaux. Comment je suis censée voir? Bref. Embaucher de nouveaux agents. Ah voilà! Faut que j'achète des agents. Jean Cunningham, Fora nanana. Personnel. Non mais ça, c'est illisible. C'est insupportable. Alors, des agents, du personnel. Comment j'en achète? Recruter du personnel. Aucune impossification. Oh! Une impossification! C'était donc ici depuis le début? Je peux pas recruter du personnel, il n'y a aucune impossification. Bah merde. Bah ok. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci Zoom Zoom. T'as une réponse. Très proche de Planet Coaster non? Bah c'est un jeu de parc d'attractions. Donc de base, ce sera chaud de révolutionner le truc. Donc la manière d'installer, de poser ressemble. Un peu moins libre je dirais. Mais par rapport à Planet Coaster, le délire va être de te laisser la possibilité de faire des attractions en what the fuck est normalement impossible. Dans l'intro, on a pu être dans des canons. On a pu faire passer notre coaster dans un canon pour qu'il après soit canonisé. Je sais c'est pas le mot mais j'aime bien. De l'autre côté, atterrir quelque part, on pouvait aussi le faire passer un peu sur l'eau, en mode YOLO. C'est qu'une bêta, donc il n'y a pas encore beaucoup de trucs. Mais le but, ça va être que les attractions soient un peu impossibles, quoi, normalement. Et d'ailleurs, le tuto se passe en pleine ville, c'est-à-dire qu'on fait passer notre attraction dans une ville entre des bâtiments et tout ça et tout ça. Tu cliques partout sans lire. Ouais alors. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chialer? Écoute, je veux embaucher, je ne peux pas. Au côté du personnel, aucune impossification. Impossification, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai beau le lire plein de fois, je ne sais toujours pas. Donc voilà. Donc bah du coup, je... Voilà hein. Oui, c'est très bien qu'il a du tout faire un abonnement, Cyril. Moi, j'ai pas d'impossification. Je vais attendre d'avoir de l'impossification, quoi. Donc, tant que j'ai pas d'impossification, je peux pas recruter. Ouais, ils me disent aucune impossification, hein. Ah, là, je peux. Il y avait rien, hein, tout à l'heure. Ouais, j'ai quelqu'un. Let's go. Oh.
trouver et placer un manège avec une autre fune. Let's go. Quelle heure? Ok, ça va. Une note de fun. L'important c'est le fun. Ça c'est fun ça. Une, deux, quatre. Oui. Cinq. Bien ça. Les ados ils adorent en plus. Ah, il y a ça aussi qui est fun. Mais les ados ils aiment moins. Donc on va faire ça. Je vais le faire ici. Je vais faire ici. Ah, les chemins, ça va être un même plaisir que dans Planet Zoo, ça va me saouler. Hop là, ça c'est fun ça. C'est vrai que quand il est minuit, lui. Il n'y a toujours pas assez d'agents d'entretien. Ah, je peux avoir un abuseur. Nettoyer le vomi, les pauvres. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, une impossification. Je recrute un amuseur. Ça, c'est bien, ça. 20 minutes! Ouais, ouais. Je couperai un peu avant le jeu. Après, j'ai pas de sous? Si, j'ai des sous. Ça va, ça va. C'est toujours dégueu, hein. Embaucher un amuseur. Ah mince, il en faut 6! On va embaucher un amuseur. Attends, on a traduit part de 150. 12. Pas loin. Je suis pas loin. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un truc fun. Oh, distributeur, c'est fun. Il distribue de boissons, là. Genre ici. Ça me plaît bien. Non, mais on va pas mettre un chemin pour un distributeur, enfin. Mon enfant! Par contre, j'aimerais bien. Ah si, je suis obligée. Non, j'ai pas envie, c'est moche. L'impossification expliquée par les développeurs. Ah, va falloir que je comprenne ça, ouais. Merci pour le lien. Ah, c'est une vidéo. Il s'agit en réalité d'une feature qui permet de sublimer tout et n'importe quoi dans le jeu. Un manège à un employé du personnel en passant par un commerce ou même un élément de décor. Le but est de rendre le jeu plus fou, plus fun et visuellement coucou Karma, et visuellement plus impressionnant. On apprend d'ailleurs que l'impossification n'était pas disponible, n'était disponible que sur les attractions au début du développement, puis le concept a fait son chemin et est appliqué à tout le jeu. La partie sonore est également expliquée. Oui, d'accord, mais de sublimer, c'est-à-dire... Comment? Ça met des paillettes? Pas l'air très gourmand. Moi, pour l'instant, car graphiquement... Pas transcendant, non? Ouais, bah, c'est basique, quoi. Après, pour le moment, y a pas grand-chose, effectivement. Peut-être une gestion de la lumière un peu moins ouf, ouais. Après, moi, je joue à beaucoup à Planet Zoo, donc je ne sais pas à quoi ressemble Planet Coaster maintenant. C'est qu'une bêta, hein, les petits loups. Donc c'est sûr que la bêta, elle sera peut-être aussi éventuellement un peu... amputée de plein de trucs, quoi. Il me semble pas beaucoup mieux graphiquement, on dirait. En vrai, on n'est pas sur une bêta. C'est vrai qu'on est sur une bêta. Ah, mais en fait, le but, c'est pas d'être mieux graphiquement, en réponse après. Moi, je dirais qu'il est un peu... Hop là. Merci. Il est un peu dans le même style, ça va être à peu près le même truc. Effectivement, le jeu est plus récent, mais... Est-ce que faire un truc plus ouf graphiquement et qui pompe encore plus de perfs de PC, ce serait intéressant? Je sais pas, très honnêtement. Le but, ça va être surtout... Bon, bah, je... Malheureusement, je sais pas trop... J'imagine que l'impossification, justement, ça va aider. Mais le but, ça va être surtout de pouvoir te laisser faire des parcs qui seraient complètement impossibles
dans la vraie vie et dans Planet Coaster. On impossible quelque chose de possible IRL. Possification, rendre impossible quelque chose de possible IRL. Moi je dirais que c'est plutôt rendre possible quelque chose d'impossible IRL, non? Parce que rendre impossible quelque chose de possible, c'est bizarre. Rendre possible quelque chose d'impossible, là... Mais ça me dit toujours pas comment. Bon, une fois, quoi. Ça fait des trucs, ouais. Ok. Ça fait des trucs, l'impossification. Ah, l'attrait. C'est quoi ça? Point de café western. On va mettre un... Non, mais les ados, ils vont pas aimer. Ouais, c'est un truc d'adulte. Café, c'est un truc d'adulte. On veut du Red Bull, nous. On veut du Red Bull et des kebabs. Ok, hein. Et je m'en fous de ton western. J'ai déjà mis ça. Ça, les ados, ils aiment moyen. À mes autres manèges, les ados, ils aiment pas de fou. Comme ça, j'ai déjà mis. Oui. Est-ce que... J'ai pas d'autres attractions pour le moment, en cas. Le kebab. Western pizza. Non. Pâtisserie. Ah, on va faire la pâtisserie. Tiens, ça va augmenter l'attrait. Là. Ça, c'est quoi? Kebab, j'ai déjà mis. Point de vente de pommes d'amour. Hein. Souvenir, j'ai pas. Donc, distrib, j'ai. Ça, c'est les toilettes, j'en ai mis. Je vais remettre un... Je vais remettre un petit chiotte, là. Voilà. J'ai remis un petit chiotte. Ah, ça, c'est quoi, ça? Une vente de café. Ah ouais, regardez, ils ont déjà mis les trucs un peu... comment on pourrait dire, simplifiés pour pouvoir faire des décors autour. Le problème, c'est qu'on n'a pas les décors, donc si je pose ça comme ça, c'est un peu pourri. Mais c'est bien de l'avoir déjà fait. Ils ont appris en voyant Planet Zoo. Hein. Vraiment pas agréable à lire. En plus, c'est sur une page blanche, c'est vraiment pas agréable à lire les trucs comme ça. On a 73. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter l'attrait? Bon, je peux quand même, après, essayer de voir une petite attraction qui plaît au moins un peu aux ados. Ah, ils détestent. Ah, mais ça, j'ai déjà mis aussi! Les ados, ils aiment ça. Les adultes préfèrent, mais bon. Et ça, j'ai déjà mis aussi. Bon, bah, on va mettre ça. On a pas déjà mis, hein? Non, hein. C'est où que je fais déjà? L'entrée. L'entrée, je la construis d'où je veux? Attendez, il y a un truc qui va... Ah, elle est derrière peut-être! Oui, ça doit être ça. Bon, attendez, je vais déplacer. Il y a un truc qui va pas. Après, l'attrait augmente tout seul. Hein. Mais bon. Oui, c'est exactement au même endroit, d'accord. Je vais mettre un peu loin alors. Mais ça, c'est le chemin normal. Ouais. Et l'entrée alors? À côté? Un truc que je pige pas là. Attendez, c'est où En fait, il n'y a pas de... Ça, c'est le chemin normal ou le... Je n'ai pas compris. Alors, côté sur de l'autre côté. Oui, le problème, c'est que je ne peux pas, en fait, sortir. Il veut pas que je place du chemin. En fait, là, il y a juste un petit creux. Donc, est-ce que c'est le... Ah, ouais, c'est ça. Sur de l'autre. Ah, pardon, j'ai compris. À côté. Bah, c'est chiant.
C'est super chiant. Attendez, on va la mettre autrement. On va la mettre autrement, cette attraction. Bon, après, la trail augmente. Comme ça. Mais vu qu'en fait, il y a les flèches dans les deux sens de chaque côté, bah, je pensais que je pouvais, voilà, un côté entrer, l'autre côté sortir. Mais non, ça se fait pile poil au milieu. Ce qui est bizarre. Je l'avoue. C'est chelou. Faire l'entrée par là. Pas mal là, pas mal. C'est correct. Là on va relier en fait parce que c'est chiant. Oh non mais ça me fait des... Maintenant ça me fait des trucs à chaque fois. C'est pas le même. On peut pas remplacer. Bien dommage. Ok. Comme ça, ils ont une raison de faire un tour. La 132, l'attrait. J'arrive pas à clip ma propre chaîne pour te montrer un exemple d'impossification. Ah ouais? Ouais, en ce moment, Twitch, il y a des sous, hein. Mais bon. M'étonne pas plus que ça, en vrai. Dix minutes, hein, j'aimerais bien attendre 150 quand même. Mais bon. C'est quoi ça? Kebab. Ça ouais, bon. J'ai pas grand chose d'autre après pour augmenter l'attrait en vrai. Voilà, je peux faire ça. Je vais mettre des bancs. Si, si, je vais mettre des bancs. Je vais mettre des poubelles. Un sex shop. Oui. Moi je mets des chiottes moi, ça augmente l'intérêt. Et je peux pas mettre de déco pour le moment. Ah si, c'est quoi ça? Point d'animation, ah ouais. Un petit point d'animation ici, genre. Point d'animation ici. Un petit point d'animation ici. Un petit point d'animation à l'entrée. On est pas mal là. Quoi ça? Salle de pause. Putain, mais évidemment que je mets une salle de pause. Pour mes employés ou c'est pour des gens? Ah non, 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 j'en veux pas, c'est pour le personnel. Bien sûr que je veux pas de salle de pause. En même temps, une salle de pause pour des gens qui sont déjà dans un parc d'attractions, c'est peut-être un peu abusé quand même. Ok, ça c'est quoi, vente de souvenirs? Il n'y a pas de truc de vente de souvenirs encore. Mettre un truc de soda. C'est bien les sodas. Ça augmente plus, hein. La traîne augmente plus, hein. Mais bon, en fait, j'ai mis toutes les attractions, je peux en mettre en double. Ah, ça, j'ai pas mis. Bon, merde. Un objet gêne, c'est pas vrai. Mon cher, on va augmenter l'attrait là. Non, je perds mon intérêt. Ça dégoûte. Hmm.
Salut Gueno, pardon. Il n'y a même pas encore minuit, je suis déjà là. Mais oui, c'est vrai. Ah, full Zelda. Ouais, d'ailleurs, je pense que... je pense que malheureusement, je vais arrêter maintenant. Mais oh, ça, c'est cher, ça. Je vais mettre un peu moins cher. Je vais laisser à 6, ça. Tout baisser de 10 centimes. Je suis à 125 sur 150. Oui. Il est fun nos parcs d'attraction. Ah, il est fun, hein. Les gens, ils sont contents après, hein. Mais il n'y a plus d'attrait. J'arrive pas à augmenter l'attrait. Je vais mettre des pizzas, hein. J'en ai déjà mis, je peux en mettre. À déconner, là. Je peux pas mettre de déco et tout, donc c'est compliqué. Je peux en mettre un amuseur, un agent d'entretien. Ça peut être bien, ça. Voilà, hein. Je peux pas faire plus là. Je suis à 127 en fun. Ils sont tous heureux. Tiens-toi là. C'est à toi. Mécontent. Légère nausée. Bah oui, ça se la pète. Hein. Ah, c'est clair que ça va se taper un kebab. Après, ça va faire le truc qui tourne dans tous les sens. Tu suis pour rien, moi. Hein. Connais ton corps, bro. Ah, tu veux jouer les shows là en disant ouais, moi j'ai pas peur, moi je bouge. Assume, hein. Comme ça, les adolescents, ils vont détester. Émerveillement. Peut-être que je mette ça, hein. Je vais mettre de l'émerveillement, c'est bien ça. Ils vont détester. Non ! Bon, c'est pas grave. Je vais mettre au moins ça pour qu'ils soient émerveillés. Garantie que vous allez mettre. Vous allez être émerveillé, pas mettre émerveillé, ça veut rien dire. Hop là. Mais au moins, est-ce que mes attractions sont ouvertes? Ouais, elles sont toutes ouvertes de base. Non, c'est. Sinon, c'est vrai que c'est contre-productif quand même. C'est merveilleux. Ok, bon. On va s'arrêter là pour ce jeu-là. Hop. J'essaierai, bon, cette semaine, je vais pas y jouer, c'est sûr, mais j'essaierai de retrouver un créneau la semaine prochaine. La bêta s'arrête le 19 mai à 16h, si je dis pas de conneries. 18 ou 19. Donc le but, ce sera d'y rejouer un peu avant. Je suis pas sûre qu'on la supporte un jeune cas dans le jeu. Ouais, je crois que la Zik va trop me gonfler aussi, donc faudra gérer ça. Faudra gérer ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, des bisous à la VOD, et nous on va passer sur un autre jeu. Ciao.